Le roi Felipe V d'Espagne est un grand amateur de ski depuis toujours. Et ce week-end du 21 et 22 janvier, le monarque s'est rendu dans la station de ski de Sierra Nevada dans le sud du pays avec un groupe d'amis, profitant ainsi des dernières chutes de neige. Une absence notable était à noter, celle de sa femme Laetitia. Comme l'a rapporté ce lundi 23 janvier l'agence de presse EFE, le fils de Juan Carlos a été vu le samedi à la terrasse d'un hôtel, portant des lunettes de soleil sombres, accompagné de son équipe de sécurité. Les locaux ont pu le voir skier ce dimanche 22 janvier. Il était accompagné de ses amis et ils se sont arrêtés pour déjeuner à Borreguil, et plus précisément au restaurant La Alcazaba, où Felipe a notamment dégusté une soupe à l'oignon. Nous avons été surpris de les voir car la réservation avait été faite sous un autre nom, a raconté José Antonio Rodriguez, le maître d'hôtel de l'établissement au magazine Ola. Laetitia prise ailleurs, si est-il la deuxième fois que je sers le roi. J'ai également servi son père il y a longtemps, a-t-il ajouté. Malgré le statut de Felipe V, ce dernier a été très agréable, très amical et cordial. Des clients du restaurant n'ont pas hésité à s'approcher de lui pour prendre plusieurs photos. Pour le père de la princesse Léonore et de l'infante Sofia, la Sierra Nevada n'était pas un endroit inconnu. Il avait en effet visité l'endroit lorsqu'il était encore prince des Asturies en 2013 et puis en tant que roi en 2017. Pendant ce temps, sa femme Laetitia a assisté à un match de water polo féminin à Madrid. Cet événement n'étant pas prévu dans son agenda officiel, sa venue a été une très bonne surprise pour les jeunes sportives, qui ont pu discuter avec la reine à l'issue de leur match. Elles ont même pris quelques photos. L'apparition de Laetitia a permis de donner de la visibilité à cette discipline qui, en Espagne, voit peu de femmes la pratiquer. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Gutrup.